Salut YouTube, bienvenue dans un nouvel épisode de... Oui, ça faisait une demi-heure dans le précédent épisode. Le cliffhanger quoi, juste au moment où les zombies arrivent. Ça c'est du contenu de qualité ça. Voilà, après il y a des gens qui s'y disent que tu sais pas couper les vidéos. Ouais quoi, ouais, putain, je devrais ban les gens qui disent ça, hein, vraiment. Je pense aussi. Pourquoi il y en a un qui est derrière, JPP. Ah bah bonjour. Ouais, bah je m'en fous. Je le regarde pas. Comme tout le monde le sait si bien, si on ne regarde pas un problème, il n'existe pas. Ouais, c'est vrai. Regarde-moi cet innocent qui est debout sur son putain. Whip, 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 whip. Ah mais ça arrive de... Ouais, ouais. Grosse défense, bravo. Ouais. Putain, les génies, quoi. Mais tu vois, ça tombe de notre côté du pont. De l'autre côté, il n'y a rien. C'est de l'autre côté. Maintenant, je suis en train de me poser la question. À ton avis, est-ce que c'est fait exprès de placer des défenses aussi mal? Alors, moi, je pense que oui. Hein. Point là, oui, je pense que c'est fait exprès, oui. Parce que là, tu regardes. C'est à se demander comment ils ont survécu aussi longtemps, quoi. Bah... Regarde-moi ça! Après, ce qu'ils ne disent pas dans le jeu, c'est que ça, en fait, ça ne fait qu'une demi-journée que l'invasion zombie a commencé. Ouais, mais même. Regarde où est-ce que c'est placé les défenses, quoi. Au pire endroit. Leur base, c'est un genre. Mesdames et messieurs, les distances de sécurité là. Distanciation sociale, ça vous parle, non? Regardez-moi ça. En plus, c'est marqué, regarde. Ce sera renforcé avec ses armes suivantes. Donc, il y a un fil de biche, un coupe-coupe, un pistolet, un fusil à pompe et une tronçonneuse. Moi je trouve ça un peu extrême, mais. Et dans l'image d'à côté, il vous explique que si jamais vous êtes en altercation avec une personne, soit vous lui saisissez la tête, soit vous lui touchez les couilles. Voilà. C'est au choix. C'est le touchage de boule, c'est pour la dominance. Comme ça, vous lui montrez qui c'est le patron. Et là, il back off. Ou alors, il vous agrippe la tête avec les deux mains. Petit coup de dent. Un petit coup de dent. Une breaching porte sans breaching charge. Ouais, moi j'ai surtout eu le virus. Ah. Et regarde-moi ça, putain. Mais... Qu'est-ce que c'est votre base, putain? Ça y est, Ira, il a été trigger. Non mais bitch please quoi, dire c'est ils ont une farandole de connards qui attendent pour pouvoir être sauvés et ça arrive de tous les côtés parce que les mecs ils ont pas été foutus de mettre les trucs aux bons endroits quoi. Bah on handicapé. Pas possible. Wall of fire. Et là il marque que si jamais vous êtes en train de faire la cuisine et qu'il y a le feu qui prend, il faut pas laisser des étrangers rentrer chez vous pour éteindre le feu, c'est pas bien. Ouais. Et là, il vous montre que si vous avez une croix sur la tête avec des cercles, je sais pas si c'est des auréoles dans ce cas-là, et si tu vois Jésus. Tu attends qu'il tombe par terre et ensuite tu tires en pleine tête. Et après, j'ai l'impression que tu le lâches d'un pont en fait. Moi j'aurais plutôt dit tu essaies de le réanimer à coups de gros mots. Putain, mais t'es vraiment qu'une grosse fiotte. On m'a dit que tu ressuscites en 3 jours. Et puis là, moi j'en connais qui le fait en 3 minutes. Terrible. Poser des charges de rupture. C'est pas toi, c'est moi. Il est mort, justement. Oh, une porte à bridge. Il y a forcément une charge quelque part dans ce niveau de Seymour. Putain, mais ils rentrent par où les zombies là? C'est pas possible. Ils se matérialisent dans la base. C'est un putain de gruyère en cette base. Gruyère. Ah! Là, il y a une escarle. Ah, mais t'es loin. Oui, mur.
m'a pas vu cette fois-ci, petit bâtard. Qu'est-ce qu'il fait? Si un big one! C'est quoi ton petit nom? C'est Scarl. Ton nom c'est... D'accord, écoute bien. En vrai, il faut absolument qu'il y ait un mode qui soit fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous n'avez pas de charge de rupture. Quoi? Comment ça? Ah, faut en chercher. Mais comment ça? Elles sont là-bas, c'est marqué, il y a marqué Carrie. Oh mon dieu. Ah, j'en ai là. Je suis... Yes. On remarquera aussi que les zombies ce sont tous des caucasiens. Hein. Mais c'est parce que rigidité cadavérique, tu perds la mélanine. Bref, merde. Non, pas ce soir. Alors moi j'aurais plutôt dit que c'est un virus qui s'exporte. Tu vois? C'est le voyage, c'est la découverte pour eux. Mais... Interact. J'interacte. Et on fait quoi là au juste? Pourquoi on doit rupturer cet endroit? Aucune idée. Super. Parce que ce panneau là en particulier c'est un connard. Voilà. Ça paraît logique. Non, alors si je devais guess, je pense que... ils ont capté que leur base c'était de la grosse merde. Et que du coup, en fait, il faut faire s'écrouler le bâtiment pour justement qu'il n'y ait plus d'entrée pour les zombies. Je pense que ça doit être un truc comme ça. Sauf que les zombies viennent de partout. Si bâtard. Donc... T'as le mec, il a attendu que je pose un siphon. Pour essayer de me sauter à la gueule. Espèce de petit bâtard. Ah! Sortez d'où lui? J'ai le wall! We need more time! 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 Moi je vais là où on m'envoie. Je suis un bon petit soldat. Si je garde une bombe. Le but c'est pas qu'ils rentrent. Pourquoi tu leur dis de come in? Je comprends pas. Si je garde la charge de rupture sur moi, est-ce que ça compte comme une breaching charge? La question c'est surtout est-ce que tu vas sauter dès qu'on va activer? Mais quel con! Mais qu'est-ce que je dis? On se casse. Oh wow. Costa croisière. Oh non. On va couler. On va finir couché à 45 degrés en PLS. On va finir en PLS. On devra nager pour notre vie. On va arriver sur une île déserte. Et en fait elle n'était pas déserte. Car elle sera peuplée de cannibales. Et du coup on va se faire manger. Fuck you! No, fuck you! Fuck you! No, fuck you! You is blind! No, you blind! No, you is me! No, you! Ah bah voilà. Hider is dead! Too close. Way too close. Ah bah j'ai plus la breaching charge. Donc non, ça ne compte pas comme une breaching charge.
Reviens par ici. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Vite, on récupère le medkit. On sort du gagaz. Ah bah une breaching porte. On n'a jamais eu de charge dans ce niveau, je me trompe? Si, je... Non, bah non, non. Non, voilà, non, super. On a eu 3-4 portes et pas une seule charge, jeu de merde. Ouais, mais je te réfère au mec qui était venu la dernière fois. Putain, vous avez vraiment trop de chance, c'est ouf. J'ai jamais vu autant de bugs. C'est vrai qu'il y a un mec qui avait dit ça l'autre jour. Force est de constater que... Ah, oh, une breaching charge. Voilà. Royce. T'as pas genre ces deux sœurs là juste à côté là? Ben je n'ai pas fouillé encore tout partout mais. Alors là, il y a des défenses en tout cas. Putain, un vieux mortier de ses morts. Ouais, monsieur! Ouais, monsieur! C'est moi, Babouliner! Monsieur, vous aurez pas une cigarette, s'il vous plaît? Bon, pam 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 pam. De la merde. En vrai, s'il voulait vraiment défendre, il mettrait plein de gens sur ce bateau là. Hein. Ouais. Et tu défendrais le bateau et puis tout serait easy quoi. Mais comme c'est des débiles. Oh. Mais alors, il tire où le mortier? Bah dessus. D'accord, là-bas. Ah, il y a un peu de monde. Bah oui, on se rend fort rien. Une baguette seul. Mais attends, mais ils sont en train de tous se filer dans la... Non, ils montent. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Je t'ai entendu. Quoi? Fais pas genre t'es pas là. Je t'ai entendu. Petit bâtard. Allez. Me la fais pas à moi. Bon. Quand est-ce que le reste arrive? Ah, ils viennent de l'autre côté là où on n'a pas de tourelle. C'est génial. Mais il vient d'où lui? Ah, maintenant ça vient de là-bas. Nice. Gameplay lucarne, c'est émergent. God damn it, they're here. Non, je suis infecté, non. Biatch. Crève. Putain, elle m'a réinfecté en mourant, connasse. Ah mais tu peux les sauver les soldats en fait.
T'en as un qui vient de se faire tacler. Et en fait, bah si tu arrives assez tôt, bah tu peux le sauver. Ah ouais. Est-ce qu'on a vraiment envie de faire ça? Je ne sais pas. Ah, pour le principe. Ça nous fait des points bonus? Non. Alors moi, ça ne m'intéresse pas. Tu ne sais pas si ça se trouve. Pourquoi je suis infecté tout le temps, putain, mais... C'est la bouteille. Une occupation, connasse. C'est la bouteille. Oh non. Quand elle est... En fait, quand elle est, oh, merde, quand elle est percée, que tu te fais bon toucher, plan, bah c'est... Voilà. C'est vraiment pas le bon plan. Non. Mais ça fait du CPM, donc... Non mais je veux dire, le bon plan c'était de, c'était pas de prendre la bouteille en prenant une tronçonneuse, tu vois. Ouais, bon ça... C'est un peu la base de se faire taper quand tu tronçonnes dans le tas. Ah. Donc nous on a le droit aux bottes pourries, quoi. Bah normal. Pendant qu'il y a Costa Croisière à côté, quoi. Ah bah bravo, franchement je vous félicite pas. Hein. Bande de crevards. You in my world now. Putain, le mec vient de le dire deux fois d'affilée, c'était magnifique. Ah bah il est déterminé, hein. Ouais, et surtout le mec il a instant Alzheimer, quoi. Bon bah chaud, chaud, il est chaud, il... Bon bah les bots ils ont pas l'air de vouloir s'en sortir. Ah mais en fait on doit venir ici. Faut passer dans le cercle bleu. Je sais, je sais. Wow. Wow. Incroyable. Oh, ouais. Ah, c'est pour faire sauter ça maintenant? Mais ça a aucun intérêt. La logique dans ce jeu. Mais c'est, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi? Ils se sont barrés et ils font tout péter, pourquoi? Mais c'est pour que les zombies ne puissent pas utiliser leurs infrastructures. Oui, c'est vrai. Oh là là. C'est le principe de la terre brûlée. C'est comme dans Red Faction là. Oh là là. Ouais, voilà. Et puis les Romains aussi, quoi. Ouais. Tu saccages un pays, tu brûles les champs, quoi, en partant. Bon, après, généralement, c'est mieux si c'est des êtres qui utilisent. Mais bah ouais. Voilà. Mais bon, on va pas non plus. Ne crachons pas dans la parler, soupe. Quoi. Là. Mais c'est vrai que pendant qu'on se faisait rusher, ils auraient pu faire péter le bâtiment. Et là, dans ce cas-là, ça aurait été chouette. Quoi. Oui. Mais bon, je dis ça. Hein. Alors, oups, les dégâts des tirs infligés à vos coéquipiers sont réduits de 50%. Yes! Putain, je vais enfin arrêter de prendre des céréales tête dans ma tête. Ouais. Je peux acheter des trucs? Non, apparemment pas. Bon. J'ai amélioré Scarl. Parce que Scarl et moi, c'est une histoire. La croisière se meurt. C'est ça le titre. Oh, il est dégueulasse. En anglais, c'est cruise control. Ah. Là, c'est la parole. La c'est croisière le spoof, se meurt, quoi. C'est le spoof de la croisière s'amuse. Ouais, la version le snoof movie. Quoi. Fouiller le bateau pour trouver la source du problème. Mais quel est le problème? J'ai des problèmes à comprendre là. Pourquoi nous on a pris un bateau pour aller sur le bateau? On pouvait pas y aller à pied sur le bateau? C'était pour pas mettre en danger le bateau, tu comprends. Et pourtant on a défendu. Voilà, et là maintenant on est sur un bateau qui est immense. Et on a des zombies dessus. C'est du jamais vu dans un jeu vidéo. C'est pas du tout ce qu'on aurait vu par exemple, je sais pas, dans un Resident Evil, par exemple, le cinquième opus. Ce qui est bien, c'est que tu les vois déjà là en bas, les zombies. C'était rapide quand même, hein. Bah, c'est quand même ouf, hein. Je sais pas combien de temps tu mets à te transformer, mais ah bah faut c'est arrêter rapide, les conneries. Hein. Tu
Là, il te dit que tu dois pas faire du barbecue avec un zombie. Merde. Moi qui commence à avoir la dalle, c'est vrai. Il y a pas le TK. Back in your... Pire jeu, quoi. Il y a un bouquin qui s'appelle Road to Ruin, là. Je sais pas si c'est une référence à quelque chose. Okay. Kikuchu. C'est possible. Putain! Moi je veux la même à la maison. Ah bah carrément. He's got me! Mais. Là on vous dit que. Qu'il faut faire une injection à votre t-shirt pour que vos côtes soient blanches, sans quoi vous deviendrez un zombie. C'est une injection de Javel, hein. C'est ça en fait. Trump avait raison. Oui. Putain. Stay in your cabin. Stay. On a dit, on reste confiné, bordel de merde. Ah mais ils agressent même les militaires dès leur cœur. Oh c'est sûr, il y a des breaching charges là. Putain mais c'est un bateau ou comment? Pourquoi? C'est quoi le problème? Mais t'as vu la taille des apparts? C'est plus grand que mon appart. Mais oui, mais tu fais partie de la plèbe. Bah oui mais bon quand même. Ces trucs là ils sont pas faits pour être Bien sûr que c'est plus grand que ton appart. Putain de merde. En fait, c'est ça, faut que j'habite dans un paquebot. Alors, j'ai pas de paquebot à te proposer, par contre, il y a des péniches qui se louent et qui s'achètent ici. Hein. Ouais, je sais. Mon père avait une connaissance qui habite sur une péniche. C'est sympa. Ouais, ouais. C'est trop stylé. Ce qui est bien. Honnêtement, j'ai vu ça et je me suis dit, non, mais. Oh. Franchement. Ce qui est bien, c'est qu'avec la péniche, tu peux bouger, quoi. Tu peux te balader sur le canal et tout. En vrai, c'est trop classe. Mais même l'intérieur, moi, je trouve ça super. De toute façon, c'est que du bois, donc c'est trop stylé, quoi. Mm. Moi, je trouve ça trop classe. T'en as ras le cul de te faire cambrioler, bah, tu restes au milieu du canal. Voilà, tu jettes une ancre et... C'est l'idéal pour rester confiné, en plus. Après, le problème, c'est que niveau électricité et tout, c'est un peu plus chiant. C'est easy. Soit t'as un groupe électrogène, soit sur les ports et tout, t'as des trucs, t'as juste à brancher une prise et c'est bon. Oui, voilà. Tu vois ce que je vois, là? Ouais, non, mais ils font... Les bots, ils étaient... Ouais. En vrai, vu que t'as quand même pas mal de surface plate sur le bateau, il y aurait moyen de mettre du... panneaux solaires un peu partout, quoi. En plus, ouais. Vous imaginez? Couple ça avec des stockages batteries. Tu fais ça, tu te fous une parabole pour internet et tout. Je pourrais streamer tout en naviguant. Ça serait pas trop classe, ça? Mais une parabole, t'en as pas besoin. Hein. Bah. Ton routeur 4G, mec. Ouais, oui, c'est vrai. Mais après, si t'es dans une zone à faible couverture. Oui, bon, ok, alors tu prends les deux. Des zombies, alors ça, tu prends les deux. Ah, non, c'est pas des zombies, non. Par contre, c'est vrai qu'on devrait les tuer. Oui. Parce qu'en vrai, c'est des futurs zombies. C'est comme un feu de forêt. Quel est le meilleur moyen de stopper un feu de forêt? Bah, tu crames en amont. Comme ça, bah. Ouais. Bah, en vrai, ouais, putain, streamer depuis un bateau en naviguant et tout, ça serait trop classe. Bon, en naviguant, je sais pas, ça reste d'être chiant, mais Bah tu streams, bah tu streams quand tu navigues. Putain, mais en plus, tes voisins sont chiants. Tu lèves l'ancre. They see me roaming, they hating. Non, vraiment. Moi, je pense que ce serait trop classe. T'en as pas besoin, il y a le wifi partout dans le Japon.
Oui, non mais moi je parle à Strasbourg, mais, pas au Japon. On s'en fout du Japon. Et puis techniquement le Wi-Fi j'aime pas donc. Putain, les mecs c'est des putains de survivants quoi. Ils... Ah bah ils ont transformé. C'était des survivants. Oui. Ah bah bonjour hein. Tu vois pas le mot japonais, ça va crème le réseau. Mais oui, mais nous on parle de quelque chose de réaliste. Voilà, c'est bien ce qu'on disait, nous on veut pas un paquebot. D'ailleurs, c'est pas le but. C'est nul un paquebot. C'est moche. Moi je veux un putain, une chahute. Une chalute, un truc, une connerie dans le genre quoi. Oh mon. Non. Nique-toi. Bâtard. Moi je veux un bateau sympa quoi, un truc, je sais pas. Genre... Vraiment, un truc beau. De classe. Mais que en bois quoi. Parce que le bois, c'est merveilleux. Quoi? Avez-vous déjà vu? Super arbre. Oh, putain, oui, oui, oui. Avez-vous déjà vu la fée du bois? C'est pas ce que j'ai, je m'en rappelle, dont je m'en rappelle le plus, mais... Oui, il a fait faim, quoi. Les os se trouvent les loups. Monsieur, tout pour le bois. Un yacht tout en bois, c'est beau. Oui, mais même pas un yacht. Yacht, trop cher, yacht, c'est pour les bourges. Et là, même là, je pense qu'un yacht c'est trop grand déjà. Mais ça existe des yachts en bois? Ça s'appelle des yachts? Pas full bois, ça c'est sûr. Attends, dans l'arrière du navire. I'm sorry. I know what you got time for that. Donc le nombre de survivants qu'il y avait sur ce paquebot, ils étaient de 1 milliard. What the fuck? C'est quoi ce son monstrueux qui a commencé d'un coup là? Ah pas d'un coup les moteurs ils ont fait un barouf de tous les diables. Ah parce qu'ils se sont dit que s'ils allaient plus vite ils sèmeraient l'infection qui est sur le bateau. Ah il y a de la 5G sur le bateau putain. C'est ça. Qu'est-ce que c'est ça que j'ai vu? Une breaching chart. Il y a une porte ici. Oh. Dégueulasse. Drop the bomb. What? Gather up and we'll move. Changing level. Quand j'appuie sur le bouton de l'ascenseur, j'ai entendu des Yo, Gamé. Ah, bonsoir, Igame. Igame. Igamé. Total shitstorm. Pardon, pardon. Oh, c'est bon. Faut encore rigoler, quand même. Parce que là, je pense que du coup, t'as dû faire toutes les prononciations, quoi. Toutes les prononciations possibles et imaginables.
Non mais jamais de la vie, il y avait autant de survivants sur ce bateau, faut arrêter. Oh si, je pense qu'il y en a largement. S'ils ont réellement chargé pour contenir une bonne partie de la ville... Moi ça va. Ig et Gam. Ig Gam. Ah. J'ai entendu. IG Game, IG... Oh mon dieu. IG Game. Bâtard. JPP. Oh, il y a encore un mur à... Il y a des portes à bricher. Bah je cherche la charge. Putain, il y en a encore une aussi avec porte. Oh, quel enfer. C'est mes initiales plus game, c'est un pseudo ça. Every precaution was taken. Well, it appears that wasn't enough. C'est vrai, vu comme ça. This ship is overcrowded. The boarding was rushed. Why are you arguing? It happened. It happened. How doesn't matter right now. Bon. Il y a encore une ici, génial. Basique à créer mais difficile à prononcer. Je confirme. Attention, une masse de zombies impossible dans la réalité pourrait vous arriver dessus dans quelques minutes. Oh. Une breaching charge. Bon, j'ai plus qu'à trouver une porte à bricher. Oui. Il y en aurait-il une ici? Non. Il y en aurait-il une là-bas? Non plus. Il y en aurait-il... Non, c'est un... Re Ludwig. Encore. Il faut savoir ce que tu veux, faut rester, faut partir, faut faire un truc hein, mais... Fais ton choix. Oui mais non, mais je veux une porte, on peut pas revenir en arrière. Et non. Pire jeu hein. Parce vraiment le pire jeu. C'est formidable. Oula. Quoi? Que ça passe pas à travers la vitre? Apparemment pas. Jeu de merde. Ah, c'est des vitres blindées. Tu sais, ils ont prévu les terroristes, ils ont prévu les pirates de la mer. Mais ils ont pas prévu les zombies par contre. Putain. Dommage, hein. Non! Thank you. I owe you. They stop coming. I owe you. I owe... Y'a une porte à bridge là! Pire que de la partie avec les portes 1 et 2. Quelle partie? Faut que tu précises parce que des portes 1 et 2, y'en a tout le temps. Searching a stash.
Kourou 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 stache stache. Kourou 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 stache stache. Reloading. On fait des munitions. Mudada. Une porte à bris. Mudada. Omae wa mo shinde. Nani? Ah bah j'ai plus de munitions, ça y est. Je n'ai plus de ammo. Je ne peux plus tirer. Mais c'est vraiment pas grave. Parce que tu peux toujours les frapper. J'en suis vraiment contrit. Il me faut des munitions. Vous avez toutes les assurances que vous voulez, pas celle des zombies. Eh non, dans les filles. J'imagine Rambo défoncer du zombie. J'imagine le bordel. Alors, imagine plutôt Rocky défonçant des zombies. Adrian ! Non ! Mais qu'est-ce qu'ils font les bots? Bon, go avancer parce que sinon ils avanceront jamais. What? On peut placer les trucs à la vertique. What? Non! Comment ça non? Ah. Il y avait un rock music would probably also do the trick. Putain, mais il a des munitions en plein milieu des zombies, j'hallucine. Tu as l'icine? Oui, aïe. The girl screamer. Screamer night. Bon, ils sont où les kits de soins? Faut que je me heal, faut que tu me heal. Viens là, viens là. Là, là, il est où? Il est là. This should help. Face aux zombies, il n'y a plus de munitions, et bien reste la solution ultime qui existe depuis des milliards d'années, la fuite. Non. Le coupe-coupe. Oui. C'est le coupe-coupe. Solution millénaire. Ah oui. Oh, une table de mixage! On va pouvoir faire du DJ. Alors, vu le nombre de pièges, la surface à protéger, est-ce que tu sens la merde arriver? Bien sûr. C'est pas grave, on va pouvoir faire comme David Guetta. Pour être 10 000. Non. Je veux rentrer chez moi. Il y a une bridge ici. Je crois que c'est lui. Mais on n'a pas de... Pas de charge. Et oui, on n'a pas de charge. On peut pas péter la porte. Il n'y a plus de piège. Eh ouais. Le paquebot a quand même vachement mal à la gueule. Bah ouais. Je sais pas, je vais pas demander. Imaginez des mammouths zombies. Coupe coupe. Hold positions. Alors s'il y avait des mammouths zombies, déjà je viendrais d'abord à féliciter les zombies, quand même. Hein. C'est pas faux. Parce que ça veut quand même dire qu'ils ont réussi à croquer à travers un pelage qui doit être épais comme une porte d'acier de 1 mètre. Plus un épiderme bien épais. Ça, et puis le machin qui doit se défendre, qui a juste à lever la patte et la reposer, et puis il fait 15 morts, quoi. C'est bon, à base de bleu, oui. C'est parti. Game over, man. Game over. Musique. Wow.
drop the bass, bass, boom. Ah bah ça marche, regardez-les. Elle est pas fameuse, la musique. Les zombies, ça marche bien. C'est vrai qu'un petit Queen là, un petit Another One by the Dust. Ah, Queen, another one by the Dust. Je trouvais que ça fitrait un petit peu quand même. Mama. Didn't mean to make you cry. Regarde-moi ça, c'est une cascade. Quatre de zombies. C'est une bluu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 u
Il m'intrigue. Oh putain! Bah, il est super chaud déjà. Par contre, le mode d'histoire, il est nul à Yesh. Hein. Ah! Il a aucun intérêt en fait, c'est... Aucun intérêt. Bah c'est une invasion de zombies quoi, non? Ouais, mais après t'as un mode histoire en fait, t'as un mode survie où effectivement c'est... t'as une map qui va te générer aléatoirement avec en fonction de certains trucs, plus ou moins de ressources, etc. Avec plus ou moins de zombies de base sur la carte, ce genre de conneries. Et le mode histoire où là vraiment c'est... plus ou moins la même chose, sauf que t'as des objectifs en plus, genre tu dois atteindre tant et tant de populations, tu dois avoir tué tous les ennemis de la map par exemple à tel jour, et puis les waves sont fixées par jour, et puis t'as un nombre limité d'ennemis, t'as à dire bref. Okay. Mais sans intérêt quoi. D'ailleurs moi j'ai pas aimé du tout quoi, dire c'est... J'aurais pu l'appeler autre chose qu'une campagne en fait. Ah, on a quand même clear le chip en fait, on n'avait pas... Voilà, on a tué tous les zombies du bateau. Nombre de survivants, 6. Eh ben, bravo, bravo quoi. Ce qui est bien, c'est que normalement sur des bateaux, t'as des sas et tout, tu sais, des grosses grosses portes quoi. T'as juste à la fermer et puis on n'en parle plus quoi. Par pitié, dites-moi que c'est pas le dernier niveau du jeu. Si, c'était le dernier. On est à 3 minutes de VOD. Mais je. Oui, c'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi t'avais coupé, mais c'était trop tard. Oh, dear Lord, non. Le mal était fait. Oh, par pitié. Oh, vas-y. Oh, ça me saoule. It's New York, New York. Bon. Pui, pui. Bah écoute, YouTube, si tu reviens 4 minutes en arrière, j'ai dit salut YouTube, bienvenue dans. Non, c'était une blague en fait. Parce que ça, ça va être dans le dernier épisode. Et oui, je vais faire un montage. Tu t'y attendais pas à celle-là. Et oui, Jamy. Voilà, donc en gros, YouTube, bah, c'était la fin de la campagne actuelle de World War Z. La campagne va continuer. Prochaine étape, Marseille. Voilà. On va aller boire un pad stis sur c'est le... C'est vrai qu'on n'a pas le droit de délaiter le jeu, non. Et sort quand Marseille hein? J'en ai aucune idée. Qu'on puisse aller faire un petit gélocide de sudiste. Voilà donc bah YouTube, rendez-vous au prochain épisode qui arrivera dans 4 ans. Voilà. Allez, salut hein.